Salut à tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel épisode sur Battle Brothers. La campagne avance, on commence à se rapprocher de l'event de fin, donc de la fin de la campagne. Et on avait réussi. Voilà notre très très belle ambition qui réussit. Qui consistait à chasser des bêtes. Les bébêtes. Alors, on va peut-être passer par là pour y aller. J'ai assez d'outils, hein. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un camp de pillards quelque part là-dedans. J'aimerais bien le trouver en fait, parce que je pense qu'il y aura peut-être un petit chef, un petit brigand leader, a few many brigand leader. Is on a hill. Est-ce que c'est plus rentable pour moi? Non, je pense que je vais quand même attaquer de nuit parce que j'aime bien les persos qui n'ont pas de défense à distance, donc. Dedans, t'es pas de nuit. Ok, ils avancent. Ok, lui, il va pas pouvoir bouger. Oh, là, on peut charger. Hein. On va pas se mentir, on peut charger. Il y a rien qu'on récupère, on veut juste tuer le plus vite possible d'ici. Ah, tu pourrais limite t'en occuper tout seul, mais bon. Allez. Réparer les AOE! Serais bien aller faire un petit coup dans la backline hein, pour aller tuer ces petits tireurs, mais on va voir si on arrive à faire un petit trou. Ouais, exactement comme ça. Voilà. T'as pas intérêt de faire ça pour l'instant. On va voir où tu vas. Salaud. Ma belle armure. En vrai, ça m'emmerde. Hein. Bonjour. Bonjour. Faire attention, il y a un mort-vivant derrière vous. Ce serait sympa quand même qu'en 9-1 vous arriviez à le tuer. Ce serait sympa qu'il meure lui aussi. Il va mettre un méchant coup là. On va le sentir pas. Oh, c'est celui qui est 47. C'est la fin.
Si j'avance et qu'il rate, il est mort. T'as pas. Ouais. Et si lui frappe lui, je pense que lui meurt aussi. Mais si je le touche, il est mort. Oh, ça passe, non? Rate, on va être un peu tristounet, hein. Allez, ça passe. C'est bon. Coucou. Bâtard. Je laisse me tirer tranquille. Ce serait bien de pas mourir par contre en 2v1 genre. Voilà, ce serait... Ce serait regrettable. Oh le tir entre les deux yeux. Et il y a moyen en plus hein, ce con. Il veut vraiment le faire. Hein. Apporter du backup. Ah, je peux pas décapiter. Dommage. Non! Ouf! J'avais pas vu qu'il y avait lu sur la case, je... Bon. Au moins on est sûr que ça TK, voilà. Si vous n'aviez pas l'info, ce sort TK. Et du coup, ça lui a mis quoi comme blessure? Burn leg, ah ouais. Oups! Tu es un peu cramé à jambe, mais après, bon, vous savez, monsieur le... Monsieur l'arbitre, voilà quoi. Qu'est-ce que je te mets en spé, toi? J'ai des masses, j'ai des épées. Hein. Allez hop. Au bout d'un moment, hein. Vous la connaissez la stratégie. Moi, on est sur l'offensive. Hein. L'objectif, c'est pas de tanker 255 coups. L'objectif c'est de tuer, avant d'être tué. Allez hop. Comment il va mon tireur favori? Ah putain. Il est pas rendu. Ah. Ouais, alors soit des petits attachements je pense aux armures parce que là... un peu Clodo Town. Aïe, surtout que ça. Il me répare là, ça me sert à rien, d'accord, c'est voilà, c'est trucs buggés que je peux pas équiper. Très bien. Lui, il y a un armoire ici, donc. Peut-être que. On peut trouver des pins et des conneries. Y'a pas de pins. Coûte un peu cher les armures. Après ça vaudrait un peu le coup, genre lui typiquement il va rester longtemps. Hein. Lui j'ai pas envie qu'il meure donc investir pour une armure c'est pas déconnant. Hein. On va en très mal du coup. 103, bon on peut se débarrasser. Ça nous évite d'avoir à faire des allers-retours. Voilà. Ah si, je pense que je la prends. Celle-là c'est trop mais... Il n'y a pas encore Brownie donc il va être un peu...
un peu fatigué quoi, mais si je veux qu'il fasse quelque chose dans les fights, de toute façon, y a pas trop le choix. Toi, t'as pas encore la maîtrise du cleaver aussi. J'avais regardé ici, ouais. On peut se faire un petit tour par là et remonter vers... ou aller à cheval, sur machin. J'ai envie de chercher un petit peu s'il n'y a pas un camp par ici. Normalement, j'ai le temps de revenir niveau bouffe. 4 jours. Mais ça va? D'accord. Qui souffre de l'épaule? Ouais, c'est toi, hein. Nickel. Vas-y, un vrai contrat avec Sam. Ah ben voilà, c'est parti. Il faut tuer du Morian. Bon bah, enfin, faut tuer du peau verte. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est les trucs liés au mode. Mais ça, je sens la connerie en fait. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, on le fera une fois qu'on aura fait la, une fois qu'on aura gagné. En gros, j'irai en tester, hein, voir un peu qu'est-ce que c'est. Bon, est-ce que vous voyez un camp de... Non, par contre, il y a un truc orc pas loin. Peut-être. 15 orcs maraudeurs. Allez hop! Ça, de toute façon, il va falloir péter la gueule en boucle, donc... Allons-y, hein, commençons dès maintenant. Les contrats, en fait, les trucs comme ça sont assez faciles à battre, donc j'ai envie de les affronter. Ouais, y a juste Michel qui est un peu, voilà... Un peu endimanché, quand même. Formidable. Tirer. Ah, faut pas oublier qu'ils ont une charge les ordres, ce serait bien d'en mettre devant pour tanker un peu les charges. Ça peut être pas mal aussi de se mettre là, prendre la hauteur, mais... Moi, je pense que le play c'est d'avancer en fait, c'est Linda pour qu'ils tankent les charges et eux derrière puissent mettre quelques coups. On va voir si c'est le bon play. Mais... Toi, tu te caches derrière du coup. J'aurais dû le monter de 1 de plus. Non, tu vas rester derrière, on va espérer qu'il y ait... sur le reste qui tank. Formidable. Voilà, ça c'était un peu dans les prévus dans les plans. Non, ils ont stun lui, ça c'est encore plus relou, dis. Ah, ça on l'avait un peu vu venir. Ah, toi t'es dans la merde quand même.
Ah, si, si tu sauves avec Jeff, c'est bon. Ah, j'étais 67% quand même. Ah, sauf avec toi, est-ce que c'est un nature et je pense que tu es capable de tanker. Toi, faut que tu ailles des PS. Il passe son tour comme ça. Excellent. Toi au final, t'es en danger avec lui. Alors en fait, ce que j'ai envie, c'est que lui, on lui barre la pression. Je pense que Jeff est pas en danger directement, donc c'est pas un besoin urgent de 80. Formidable. Ah, toi, si tu pouvais te tuer. Ok, excellent. Excellent. Il faut lever le bouclier et taper celui qui est dangereux pour toi. Bon, il devrait quand même finir par s'enfuir assez assez vite. Toi, tu vas attendre parce que prends-moi quelqu'un à ressusciter. Tu vas attendre aussi. C'est qu'à tombe. Tour, 8 tours. Ah, je peux pas swap avec toi, on est d'accord. Ce serait bien que tu pouvais pas mourir. On va attendre, fait-on jamais. Hein. On va lui laisser le temps de. Oh, vas-y, on va double swap. S'assurer qu'il n'y ait pas de perte inutile. Tu vas juste rester là. Bon, il faut faire attention quand même les orques, si on a un qui s'isole un peu trop, ça peut être la merde assez vite, mais. Après, on a quand même des armes qui rigolent pas trop non plus, quoi. On a jamais trop d'XP hein. Ok. Ah, faut un très bon fight. Attends, je gagne un fight, c'est déjà incertain, mais plutôt je suis rapide. Hein. Ah c'était oui, soit c'était le la resolve, hein. C'est pour ça que ça marchait. Hein. Ça, c'est des compétences de distance. Donc c'était range, ça, ça et ça, on avait dit. C'était le mieux en stats. Tab Berserk, Tackling Frenzy. On se Battle Forge serait pas mal, hein?
Bon, un peu de morale, c'est pas perdu. Et tu vas prendre la maîtrise des cleavers. Et tu vas t'équiper d'un fou en seconde arme. Ça me semble pas mal. Bon, il n'y a pas d'initiative, mais ça, c'est pas grave. C'est secondaire. Là, en l'état, c'est un peu compliqué, quoi. 112. On produisait du sel, c'est ça? On produisait du sel. Chez qui est-ce qu'on fait des bonnes affaires là? Fredo, les bonnes affaires, c'était chez qui? By Price 130. Tal. Là-bas! Ouais. Peut-être aller faire un tour à Tal. Là-bas aussi, on achetait pas cher. Allez. On va se balader dans le coin, de toute façon, pour l'instant. On cherche toujours notre camp de brigands, donc. Non! J'ai pas mis la pause assez vite. Faut que j'installe le mode qui met la pause automatiquement. Ça dit quoi niveau d'armure? Bon, la fronde va bien, à peu près. Par toi. Ah, ça c'était des soucis que ça arrive. Hein. Putain, t'attaques 6 points d'action, c'est ça. Hein. 10, c'est beaucoup quand même. Ce serait bien d'en tuer un en fait et de le ressusciter. Évidemment, les convivés. Va falloir avancer un moment ou un autre, donc autant commencer maintenant. C'était un peu dangereux. C'est même très dangereux en fait. Ok, il s'enfuit, bon ça c'est bien. Voilà. Il va peut-être pouvoir nous tanker un peu des... Que ce soit des projectiles ou autre chose. Voilà, il nous a tanké un filet, c'est déjà ça de gratter. Ah, oh oui, oh oui! Oh, tirez-lui dessus! Tuez-moi ce méchant squelette là! Tuez-le! Hop, la ligne qu'on a laissée! Que c'est bien joué! Oh là là. Le mec est trop fort! Feu sur ce squelette! Tuez-le! Aïe! Je crois qu'on prend les flèches qui ratent en fait! En fait, il faut que tu te barres. Tu devrais pas être là. Toi aussi. Toi encore, ça va. Même si c'est pas la grande forme. Il libère le. Vache. On est support squelette. Récupérer leurs armes, on s'en fout, donc du coup on peut se permettre un peu ce. Bien joué. On peut avancer. Lui, il a pas d'initiative, ça me fait chier de le faire beaucoup avancer. Bon là il sera à portée de pour taper de toute façon.
qui a besoin. Oh, mais c'est giga greedy de faire ça. Je pars du principe qu'ils vont tirer sur le squelette ou les cibles affaiblies, mais c'est vrai qu'ils auraient pu tirer sur, sur Michel en rond. Donc globalement c'est un fight qu'on aurait bien aimé éviter. Si je descends, le problème c'est que je perds en portée, donc finalement je peux plus avancer. Ah oui, formidable. Magnifique. Magnifique combat. J'y ai cru. On va rester derrière. Bravo. Formidable, c'est formidable. Des unités formidables. Ah toi, ce serait cool que t'en boostes un, mais je crois que t'as pas la portée. Ça sent le mouvement de repli cette affaire. Ah non, il continue à tirer, ok. Bah il faudrait se replier mes enfants. Ah puis il s'est caché là non? Exact. Bien joué. Oh que super. Ça va vraiment jouer de la part des squelettes. Archerie qui paye. Ah, c'est dommage. On s'est balle. Eh, l'air de rien, les invocations elles font leur travail. Hein. On dirait pas comme ça, mais. Hein. Mais l'air de rien, elle décharge pas mal de pression, je trouve. Va passer le tour, ça ira plus vite. Ah. Bon, tout ça on va le vendre. Ce serait cool quand même que je puisse aller refaire le plein. Une caravane formidable. Sonmark, c'est où ça? C'est ok tiers comme quête en soi. Mais bon, je préférais des quêtes qui me font avancer, qui me fassent avancer sur la sur l'invasion quoi. Non. Oui. Bonjour. Vous n'avez pas d'outils, c'est regrettable. Au revoir. Non mais ça c'est cool mais pas pour un tireur en fait. Yep, on s'en va. Prends tes affaires, on s'en va. On peut aller au château là-haut, peut-être on trouvera quelque chose qui nous intéresse. Mais en vrai ce serait pas mal le combat dans cette région là parce qu'elle est vraiment à notre avantage, plus avec les villes du sud. En fait c'est des zones où on va souvent pas trop se faire massacrer, enfin encercler et, bon c'est cher mais faut des outils quand même au devant. 109, allez hop c'est rentable on vend. On va pas chercher à optimiser à chaque fois je pense. Au devant ce qu'il nous faut c'est de l'argent. On a
un écuyer, ça peut être pas mal ça. Ah, il est alcoolique. C'est dommage. Nul. 400 balles, ça fait cher quand même à chaque fois. Ouais, ce serait sympa en début de partie, mais ça c'est pas non plus. Bon, de toute façon, toi j'ai pas les moyens de t'acheter, donc je pense que ça limite un peu l'intérêt de regarder tes stats. J'ai pas de marteau pour l'instant. C'est cher quand même. Ah, ils m'ont dit, oui, on était déjà passé par là. Oui, nous sommes riches. Ah oui, allez, hop, prends le sel en plus, c'est cadeau. Ah oui, hop, 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 hop. On cherche même pas à comprendre ici. Hein. C'est une trop trop bonne affaire pour pas la prendre. Ah, j'ai peut-être avoir trop d'outils du coup. Peut-être un peu con, mais. Bon, c'est pas grave. Ouais, je pense que j'en ai trop pris, mais bon, pas grave. T'es sous la joie et l'excitation. Au nord-est de Fortiche, c'est où ça, Fortiche? Ah, là où il y aurait une caverne, on pourrait peut-être aller se la faire en vrai. Mais bon, j'ai plus tendance à me balader. Ça rapporte pas tant que ça me rapporte que 1000 du coup. Pas obligé de me taper le. Vous voyez, c'est une zone où il y a beaucoup moins d'or, beaucoup moins de. Elle serait plus une zone, je pense, ce serait plus facile. Si je veux faire la. Ouais, ok. Putain, mais c'est encore le même truc. Est-ce qu'on veut aller chercher la statuette de mon cul? Ça fait de l'argent en soi, hein. C'est pas. Pas inutile. Ça, ce serait cool si on pouvait le guérir avant l'année prochaine. Garde caravane. Ouais, y a les eaux fragiles. Ça, on peut regarder vite fait s'il n'y a pas le. La fleur du siècle. On se fait une petite baston comme ça. Allez. Ça va peut-être augmenter les chances qu'il y ait d'autres trucs qui pop. Et augmenter mes relations avec eux, c'est pas mal aussi. Dépêchons-nous de faire ça. On te fait une petite mission de fête. Moi, je préfère les missions de baston parce que ça rapporte beaucoup plus que les. Ah, un petit fléau sympa ici. On discute, hein. On a pas forcément besoin d'avancer vu qu'on a nous aussi des tireurs. Visiblement ils ont décidé de toucher. Jeff, en vrai si je le mets là, ça fait où là? On fout. Qui touche ici. Sa position il peut hein. Là il pourrait donc si je recule lui là. Va juste laisser un peu de place au centre et ça devrait le faire assez facilement. Hop là. Ils vont devoir avancer. Ouf. Ça fait mal.
Peut-être recruter un médecin, ça pourrait être pas mal. Juste pour guérir un peu plus vite des blessures. Ou un forgeron. Un forgeron, ça peut se réfléchir aussi, je pense. Tous en chiloul, c'est ça? Voilà. On va attendre. Hein. Si j'avance de 1, c'est carton plein. On va avancer de 1, je pense, avec tout le monde, petit à petit. Sauf toi, toi, tu as juste levé ton bouclier, visiblement. Ils ont décidé qu'ils allaient te tirer dessus. Et leur sentence est irrévocable, comme dirait l'autre. J'aurais pu mettre lui là après. Ça se réfléchissait. Donc on va voir si Jeff arrive à tuer quelqu'un. Shieldwall, pas Shieldwall. On a apporté pour. Oh, vas-y, hein. Le tir de barrage que ça fait, c'est génial. Bravo à tous. Eh oui, j'ai plus de DPS à distance, les enfants. C'est pas gagnable. On continue. On continue, hein. Moi, je pense qu'il faudrait s'approcher, mais... Dégâts infligés par Jeff, 1 milliard. Allez, venez là, là, un peu, venez vous battre. Ça va être ridicule. Bah, non mais c'est là où il faut aller. On va peut-être pas res lui du coup, parce qu'il y a le fléau quand même. Là, bon ok, là c'est plus... C'est plus anecdotique déjà. Tire de barrage, on peut pas. Ah, j'aurais pu booster, ouais. Pas dramatique. Bien joué. J'adore avec les zombies, parce qu'on peut leur faire des dégâts, on s'en fout. Nous avons récupéré le talisman. Ok, donc celle-là on pourra pas l'utiliser. Toi, c'est dommage hein, parce que finalement, tu aurais peut-être fait un bon brother de late game. C'est dommage. Peut-être ça vaudrait quand même le coup de te mettre une spécialisation d'armes. Mais bon. On y réfléchira plus tard. Et notre Bannerman, ouais. C'est que notre Bannerman a fait ça. Et il n'a pas rotation, non, je suis une rotation. Donc... Bon, bah, j'espère que cet petit épisode vous a plu. On est proche de la fin de la série. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne JZF pour d'autres aventures sur Battle Brothers. Allez, ciao, ciao.